Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 16 au 22 août. Alors comme d'habitude, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis merci si cela est déjà fait et je vous encourage vivement à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite aussi à aller visionner une guidance intemporelle. Je vais vous mettre le lien ici sur ce que vous réserve ces 3 prochains mois, tant au niveau professionnel que sentimental. Et puis, si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez les coordonnées en barre de description où je vais vous mettre un lien ici qui vous emmène vers une page de réservation pour choisir la date et l'heure de votre guidance. Allez, c'est parti. Que nous réserve cette semaine du 16 au 22 août, que nous réserve-t-elle? Écoutez, les cartes ont envie de parler. Allez, le défi de la semaine. Quel est le défi de la semaine? La ressource à mobiliser. Quelle est la ressource à mobiliser? Et l'énergie qui est là à la fin de la semaine. Allez, ce début de semaine, l'énergie du page de coupe. Il y a une proposition qui pourrait vous être faite, qui va vous ravir le cœur, à moins que ce soit vous ou quelqu'un qui déclariez votre amour un peu d'une façon un peu enfantine. Voyez, il est très spontané, très innocente, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être un projet artistique aussi qui vous ravit le cœur, qui vous donne vraiment, voilà, au niveau du cœur, qui vous donne une sensation de joie. Il peut être aussi question d'un enfant avec cette carte du page de coupe, des discussions autour d'un enfant. Hein, vous verrez comment ça peut vous parler, mais là, on est vraiment dans les balbutiements de quelque chose qui au niveau du cœur, expanse. Hein. Alors, le défi. Le défi, ça va être peut-être là, par rapport, si c'est un nouveau projet, une nouvelle proposition là, qui émerge, qui donne beaucoup de joie, qui donne de la stimulation, qui au niveau émotionnel vous emballe. Le défi, ça va être de croire qu'on n'a pas les ressources pour mener à bien ce projet, de se dire qu'on va manquer peut-être d'argent, de biens matériels, qu'on va manquer peut-être de temps, de manquer peut-être aussi de, comment dire, de diplôme si c'est un projet professionnel, ou de manquer de vitalité pour poursuivre ce rêve. Il y a vraiment quelque chose comme ça avec cette carte-là. C'est de douter qu'on puisse accomplir quelque chose, qu'on n'ait pas les moyens avec le 9 de denier, hein, et qu'on ne puisse pas y arriver, qu'on ne trouve pas les ressources tout seul, soi-même, en soi. Il y a quelque chose de cet ordre-là avec cette carte-là. Alors, la ressource à mobiliser, bah, écoutez, oui, c'est de faire appel à sa créativité, à sa joie, à sa spontanéité. C'est vraiment d'oser rayonner, et c'est d'oser avoir le courage de mener à bien ce projet, de se dire que tout va bien aller. C'est vraiment d'être dans la joie, pour moi, et c'est d'être dans cette vitalité aussi, dans cette motivation, dans ce peps. Les choses vont s'éclairer au fur et à mesure que la semaine va passer, mais c'est, pour moi, c'est de ne pas douter. C'est vraiment prendre votre place, hein, avec cette carte. Pourquoi? On est dans le troisième chakra, le chakra du plexus solaire. Il y a vraiment l'idée de rayonner. Donc, n'ayez pas peur, pour certaines personnes, si c'est là, de déclarer votre amour. Lancez-vous à l'eau. Vous allez vous dire, je ne vais pas trouver les ressources, de trouver les moyens de le dire, ou pour X raisons. Hein, peut-être au niveau d'un projet aussi. Mais là, avec ce soleil qui est juste magnifique, j'ai envie de vous dire... ça ne parle que de bonheur, hein, et d'épanouissement. Donc, ne pas avoir de peur, ne pas avoir de doute, et vraiment être connecté à cette vitalité. Et l'énergie qui est là, la forme, écoutez, magnifique, hein, entre le page de coupe. On avance au fur et à mesure de la semaine, on passe d'un page de coupe à un cavalier de coupe. Donc là, il y a vraiment, je pense, pour certaines personnes, quelque chose qui prend, comment dire, il y a maturation. Hein, on voit que les choses avancent et qu'elles deviennent plus consistantes. Et c'est clair que pour certaines personnes, il y a franchement une personne, à moins que ce soit vous, qui déclariez votre amour, il y a vraiment quelque chose qui épanouit au niveau du cœur, qui est au niveau émotionnel. Donc ça peut être, voilà, une belle rencontre, une déclaration d'amour, quelque chose, ou aussi un projet qui peut être très artistique, très créatif avec cette carte
du cavalier de coupe. Beaucoup de romantisme, je sens, hein, et de douceur. Il y a vraiment quelque chose au niveau du cœur cette semaine qui fait du bien, j'ai envie de vous dire, hein. Alors, on va demander un message supplémentaire. Quel message supplémentaire a besoin d'entendre pour cette semaine? Waouh, on vous dit d'avoir confiance, hein, si c'est voilà, si c'est votre souhait de dire à quelqu'un que vous l'aimiez ou que c'est votre souhait de vous lancer dans un projet. Regardez, là, il y a ces sources de bel envol, hein, entre le soleil et la carte de la confiance, j'ai envie de vous dire, quoi rêver de mieux, hein, c'est magnifique. Hein. Et quel est le gardien de la lumière auquel on peut faire appel cette semaine? Ah, écoutez, il y en a deux. Écoutez, elles sont venues, donc on va les prendre. Marie-Madeleine. Éveil de l'enseignement. Vous avez une chose importante à partager. Suivez votre appel intérieur. Ne laissez rien vous arrêter. Ben voyez, si vous avez envie de déclarer votre amour à quelqu'un, dites-lui. Suivez votre appel intérieur. C'est ce que vous dit Marie-Madeleine. Hein. C'est vraiment, voyez, on voit ces roses pour moi qui sont très en lien avec le chakra du cœur. Ouvrez votre cœur. C'est ça que je ressens cette semaine. Ouvrez de votre cœur à de la créativité, à ce qui vous expanse le cœur, à votre joie. Et hope, amour et acceptation, l'amour est vôtre. Reconnaissez votre valeur divine. Choisissez des pensées aimantes. Écoutez, voilà. Entre confiance et hope, voilà, il y a vraiment, c'est ça, c'est d'avoir l'espoir. Hein, prenez votre place et osez affirmer l'amour que vous éprouvez pour un projet, pour une personne cette semaine. Magnifique. Dites-moi comment ça résonne. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.